Oui, ma soeur, ça va bousculer beaucoup de gens. Hein. Et ben, il faut poser des questions, faut pas hésiter. J'espère qu'elle nous regarde, ma belle-mère. D'accord. Elle vous suit beaucoup. Donc, Ghislaine, petite dédicace. Je pense qu'elle a dû grincer des dents quand vous avez dit que, en fait, la sœur, elle a fait la dot, ouais. Donc elle a l'aval. Mmh. Mais est-ce que c'est pas le mariage civil qui prime aux yeux de Dieu? Très bonne question. Parce que moi, en fait, il y a des gens qui se sont permis de dire que je me suis mariée à mon mari, Rodrigue. Donc, on est mariés, on a fait le mariage civil à la mairie et un pasteur nous a bénis. Et des frères et sœurs nous ont dit que notre mariage, il était pas valide, en fait. Parce que le pasteur, c'était pas quelqu'un de... C'est pas ça, quoi. Et donc voilà. Vous avez eu la bénédiction de d'un pasteur. Je nommerai pas le nom, mais c'est pas grave. De toute façon, ça nous intéresse pas. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ta famille a donné sa bénédiction, tes parents? Mes parents? Ouais. Pour notre mariage? Ouais. Enfin, non, ça. Enfin, moi, dans ma culture, ça se fait pas comme ça, en fait. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont, ils sont d'accord? Oui, mes parents, oui, bien sûr, ils ont donné leur aval. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Mais en fait, nous allons voir ce que les Écritures disent. Mm-hmm. Et c'est pour cela que le Seigneur veut qu'il y ait ces enseignements. Pourquoi? Parce que nous avons, nous tous, hein, à cause de nos cultures, tout ça, remplacer la parole de Dieu par nos traditions, mm-hmm. nos coutumes, nos cultures. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Comment le mariage doit-il être célébré selon Dieu? On va d'abord parler selon les hommes. Le mariage civil a commencé quand? Quand est-ce que, en France notamment, parce qu'on y est, le mariage civil a commencé à être célébré? Le 20 septembre 1792. C'est-à-dire, il y a seulement 225 ans. Mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un souci? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? Ceux qui vont dire des choses avec conviction. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais ils ne vérifient pas, ils ne font pas de recherches historiques. Ils ne se posent pas la question à savoir pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons. D'où viennent ces choses-là? À quel moment ça a commencé? Une loi, donc le mariage nuptial, comment, civil, qui n'est âgée que de 225 ans. Et on en a fait une loi fondamentale de la famille, une loi incontournable. Mais c'est quand même terrible. Maintenant, bien sûr, les religieux vont bondir, ils vont être secoués. Oh, mais qu'est-ce qu'il... Mais le frère a dévié encore. Mais il faut prier pour lui. Mais c'est pas possible. Mais il avait bien commencé, n'est-ce pas? Il a commencé avec Dieu, il faut prier pour lui. Mais c'est fini pour lui, mes amis. Oh, le frère, là, c'est chaud. Ils sont prêts à te lapider parce qu'ils sont bouleversés. Parmi ces religieux, il y en a qui ne sont pas méchants, attention. Hein. Voilà, parce que nous tous, on passe par là aussi. Hein. Personne n'a atteint le but. Voilà, la perfection. Nous courons tous pour la saisir. Mais vous vous rendez compte? Dites-moi maintenant, mes amis. Et tous ceux qui ont vécu avant cette date, où sont-ils? Ça veut dire qu'ils sont tous en enfer. Vous vous rendez compte? Une loi qui est venue 1792 ans après Paul. Paul n'a même pas parlé de cette loi-là. C'est-à-dire le mariage à la mairie. Je vous pose la question. Est-ce que c'est monsieur le maire qui, n'est-ce pas, crée des sentiments dans vos cœurs? Non.
Est-ce que c'est monsieur le maire de votre ville qui vous dit avec qui vous mariez? Non. Pas du tout. C'est même pas monsieur le maire qui est de votre ville, hein, qui est à la base de votre union. Non. Vous vous êtes aimé avant de le connaître. Vous avez eu la conviction que vous êtes fait l'un pour l'autre avant de le connaître. On est d'accord. Dieu vous a dit que vous êtes fait l'un pour l'autre avant de connaître monsieur le maire. Alors, maintenant, vous allez me dire, mes frères, bon, avant cette date-là, comment le mariage était célébré? Eh bien, écoutez bien. En 1247 à peu près, au concile de Lyon, 1247, concile de Lyon 2. On va me vérifier la date, là, si c'est possible, l'équipe là-bas. 1274, c'est ce que je me disais, ouais. 1274, au concile de Lyon, au deuxième concile de Lyon. C'est là que l'Église catholique a mis en place les sept sacrements de l'Église, dont la bénédiction nuptiale. D'accord? Et au concile de Trente, c'est-à-dire au XVIe siècle, l'Église catholique valide de nouveau, n'est-ce pas, confirme les sept sacrements de l'Église, dont la bénédiction nuptiale, cette fois-ci avec des éléments supplémentaires, c'est-à-dire il fallait bénir les anneaux, qu'on appelle par défaut alliances, alors que ce ne sont pas les alliances, c'est n'importe quoi. Ben non, ce n'est pas l'alliance. L'alliance, c'est entre Dieu et nous, c'est dans le cœur. Voilà. Dieu dit, j'écrirai, j'inscrirai ma loi, mon alliance dans leur cœur. Et entre un homme et une femme, l'alliance, c'est dans le cœur, c'est pas un bout de machin, là. Ils ont commencé, ils ont décidé qu'il fallait bénir les anneaux lors de ce concile, parce que les Grecs bénissaient les anneaux. Les Grecs invoquaient leur divinité, les démons, pour qu'ils bénissent, n'est-ce pas, les anneaux de mariage. Et l'Église catholique a emprunté cette coutume-là chez les Grecs. C'est pour ça que vous avez vos anneaux, là. Vous savez même pas d'où ça vient. C'est écrit dans quel livre, là? Anneaux, là. Vous mettez beaucoup d'argent là-dedans, là, au lieu de vous nourrir les pauvres avec 1000 euros, 2000 euros dans un bout de métal là, avec vos veaux d'or là, tout ça là. Vous pensez que c'est ce bout de métal là qui va vous empêcher d'être dragué, hein, qui va empêcher les gens de vous draguer. Vous vous rendez compte? Vous avez remplacé Dieu par vos bouts de métal là, que Dieu vous garde. Dis à ton voisin, nous sommes profondément ancrés dans l'idolâtrie là. Seigneur, sauve-nous. On va parler. C'est chaud. Il y a des gens, une parenthèse, ils disent non, moi je porte mon anneau pour que les femmes, quand elles vont me voir, elles vont se rendre compte que je suis marié, elles vont me laisser tranquille. Okay. Toi, tu crois que les démons peuvent avoir peur d'un bout de machin, là, tout ça, là? Hein? Qu'une personne possédée par un esprit de séduction, la sirène des autres, tout ça là, l'esprit de sexe, la personne va dire, non, le démon va dire, ah, stop, le monsieur là est marié. Seigneur, sauve-nous. Vous voyez, hein? Seigneur, on n'est pas capable, on n'a pas assez de foi pour dire, Dieu nous garde. Seigneur, sauve-nous. Les religieux que nous sommes là. Alors, ici, ils ont dit, désormais, il fallait bénir les anneaux au concile de Trente. Ça a duré à peu près 30 ans à peu près. C'est un concile que l'Église catholique a mis en place en réaction, hein, donc à la réforme protestante, donc pour contredire la réforme de Luther. Ils ont dit également qu'il fallait que le mariage chrétien soit célébré en présence d'un prêtre et de deux témoins. Voyez? Mais maintenant, dites-moi, avant ces deux dates-là, avant ces deux conciles, comment le mariage était célébré? À partir du premier siècle. Après la mort du dernier apôtre, Jean, notamment,
les évêques catholiques, les prêtres catholiques, n'est-ce pas, s'occupaient, bénissaient les mariages, essentiellement les mariages des esclaves et des orphelins parmi les chrétiens. Parce qu'ils n'avaient pas de parents, pas de famille, et c'était l'Église catholique, hein, les évêques catholiques qui s'occupaient de leur mariage. Et cette pratique a été longtemps après, est devenue justement, a été adoptée officiellement lors de l'Église, du Concile de Lyon, et est confirmée au Concile de Trente. Donc voilà comment l'Église catholique a commencé à s'occuper de l'état civil. Et à la Révolution française, c'était la colère contre l'Église, c'était ça la Révolution française. Donc la révolte contre l'Église, contre le divin, tout ça. Donc l'État français a commencé à voulu justement récupérer la gestion de l'état civil. Et l'Église ne s'est pas laissée faire. Il y a eu beaucoup de tensions, tout ça. Et l'État français a fini par récupérer, n'est-ce pas, cette prérogative. Et voilà pourquoi, à partir du 20 septembre 1792, le mariage est devenu une affaire de l'État. C'est-à-dire, c'est l'État maintenant qui s'occupait de, n'est-ce pas, célébrer le mariage. Vous voyez? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la mairie. C'est pas mon message. Comprenez bien ce que nous disons. Nous voulons vous donner toutes les informations. Nous voulons que vous sachiez d'où viennent les choses que vous faites, que nous faisons. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Alors, les Écritures nous disent que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On est d'accord, non? Voilà. S'attacher ici, c'était juste un euphémisme qui a été utilisé. Littéralement, c'est l'homme aura des rapports intimes avec sa femme. Et c'est comme ça qu'il faut devenir un. Vous comprenez? C'est ça le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu n'était pas validé tant qu'il n'y avait pas les rapports intimes. C'est ça qu'il faut comprendre. Les rapports intimes ont été, Dieu a prévu les rapports intimes, n'est-ce pas, les rapports sexuels, la sexualité, pour valider le mariage et pour permettre la continuité, n'est-ce pas, de la race humaine. Parce que c'est la famille qui est censée engendrer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une femme dans son coin, avec ses enfants, femme seule. Non, c'est la famille, l'homme et la femme, et pas deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, tout ça là, ou trois femmes avec un seul homme, ou inversement, un homme avec quatre femmes ou cinq femmes. Non! Adam et Ève. Alléluia. Voilà. Ish et Isha. Ish l'homme, Isha la femme. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu a privé la sexualité. Pour que les enfants naissent dans un foyer. Pas seul avec une femme qui va concevoir, je ne sais pas de qui, et venir fonder son foyer avec les allocations, tout ça là. Non! Ça, c'est la sorcellerie, allocation femme seule, tout ça. Là. Ça, c'est une loi antichrist. Ça encourage les femmes à concevoir dans un coin et à venir élever les enfants seuls, sans l'homme. Ou deux femmes ensemble avec les enfants. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Moi, je dis tout. Si vous voulez me mettre en prison, mettez-moi en prison, c'est pas mon problème. Dieu va nous débarrasser de nos religiosités, nous débarrasser de nos traditions, coutumes, là, tout ça. L'homme quittera son père et sa mère, je finis. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. On n'a pas dit à son homme. S'attacher ici, c'est littéralement se joindre, adhérer. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, l'homme et la femme étaient nus. Quand on disait s'attacher, là, ils étaient nus tous les deux. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ils n'étaient pas habillés. Ils se sont pas attachés étant habillés. Les Écritures disent qu'ils étaient nus. C'est pas moi qui le dis. Donc ils sont attachés étant nus pour avoir des enfants. Vous voyez? Et c'est ça le mariage. C'est pour cela, ces chrétiens qui disent, oui, vous savez, j'étais cette femme-là,
Un chrétien qui va dire, voyez mon frère, tu vois mon frère, cette femme avec qui j'ai eu des enfants, eh ben, on a vécu ensemble pendant 10 ans, 5 ans, eh ben, on n'était pas mariés. Ah bon, on n'était pas mariés? Non, on n'était pas mariés, donc je peux maintenant, comme je suis converti maintenant, eh ben, je peux la laisser de côté avec ses enfants, et puis je vais me trouver une autre femme chrétienne, comme moi, parce qu'on n'était pas mariés, parce qu'on n'était pas passé à la mairie. Qui vous a dit que le mariage que Dieu valide, c'est la mairie? Donc, tous les hommes, toutes les femmes qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui ont eu des enfants avec des femmes, et qui sont convertis, et qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants, ou leurs maris, parce qu'ils n'étaient pas passés à la mairie, et qui ont pris d'autres femmes, qui sont des femmes chrétiennes ou des hommes chrétiens, ils sont dans l'adultère. Parce que vous avez remplacé la loi du mariage, qui dit que l'homme et la femme deviennent homme et femme, mari et femme, lors des rapports intimes. Vous avez remplacé cette loi par cette loi des hommes. Le mariage civil. Voilà pourquoi quand le Seigneur va revenir, beaucoup vont aller en enfer. Vous avez engrossé une femme, vous avez donné naissance à vous avez un enfant avec une femme, eh ben, même si vous n'êtes pas passé à la mairie, c'est votre femme. N'allez pas dire, non, Dieu m'a dit, c'est pas ma femme. Ah bon? Vous pensez que Dieu va prévoir laisser les enfants être élevés par des femmes inconnues, par des hommes inconnus, tout ça là? Hein? C'est quoi cette affaire là? Nous sommes chrétiens, nous avons reçu le ministère ou le service de la réconciliation, du rétablissement. C'est grave. C'est pour ça que Dieu donne ce message-là. Parce que c'est facile. On a des enfants à gauche, à droite. On dit non, mais non, c'est fini. Je suis chrétienne. Je suis chrétien. Non, non, c'est fini. Tout ça là. On n'est pas passé à la mairie. Parce que vous avez transformé la mairie en un royaume divin. Vous avez transformé le maire en un Dieu qui doit célébrer, bénir et confirmer tout ça là. Et Dieu dans tout ça, vous avez fait quoi? La loi de Dieu, vous avez fait quoi? Donc vous avez remplacé la Bible depuis il y a 225 ans. La loi du mariage a été remplacée par la loi des hommes. De la même façon, on laisse l'éducation nationale enseigner nos enfants, alors que nous, parents, nous sommes censés aussi éduquer nos enfants. C'est à nous d'éduquer. C'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants. C'est d'abord nous-mêmes. Il y a tout ça. Donc, beaucoup de chrétiens sont irresponsables. Ils ont abandonné leur responsabilité. C'est pour cela que je vous dis de la part du Seigneur. Moi, je crie. Vous allez me lapider, vous allez m'en vouloir, c'est pas mon problème. Mais je vous dis, vous avez eu des enfants avec des femmes, vous avez eu des enfants avec des hommes, c'est 3-4 enfants, vous êtes chrétien, vous auriez dû restaurer vos familles, là, tout ça, là. Vous êtes dans l'adultère. Deutéronome chapitre 22. Moi, je vais aller au ciel. Je dis tout ce que Dieu me dit de dire. J'arrive, on va prendre la personne au téléphone tout à l'heure. Deutéronome 22, verset 13. Nous parlons du mariage selon la Bible. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il la haïsse et qu'il lui impute des choses qui donne l'occasion de parler d'elle et de la diffamer en disant, j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, donc quand j'ai eu des rapports sexuels avec elle, littéralement, je ne l'ai point trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme. Qui a donné la femme à l'homme ici? C'est le maire ou c'est le père? Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons être bibliques. Si aujourd'hui nos parents, beaucoup de parents ne bénissent pas leurs enfants par rapport au mariage, c'est parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, c'est parce que l'État a récupéré leur responsabilité, leurs droits. C'est comme si vous achetez un chien et vous l'amenez chez le voisin pour qu'il le nourrisse, pour qu'il l'éduque. Vous faites des enfants et vous l'amenez à l'État pour qu'ils pour les éduquer. Vous trouvez ça normal? Et vous pensez que ces enfants-là, s'ils deviennent demain délinquants, qui sont ceux qui vont devoir rendre des comptes et être jugés par rapport à leur comportement? C'est vous, les parents. Parce que l'État donne une éducation nationale. On a dit l'éducation nationale. On n'a pas dit l'éducation locale, familiale, nationale. Mais les enfants, là, ils sont locaux.
il faut qu'il y ait une éducation familiale, locale. Parce qu'il y a des réalités. Il y a des choses. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez mon message. Voilà. Moi, je surveille l'éducation de mes enfants à l'école. C'est juste une parenthèse. Quand ils rentrent et qu'ils me disent, on nous a dit à l'école que nous sommes descendants des singes. Je dis, quel singe? Dieu nous a créés et ils le disent, on a été créés. Voilà, il faut rectifier. Voilà. On arrive, notez les questions. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, d'abord. Laissez-moi finir. Nous lisons les Écritures. Hein. Nous sommes là-dedans. Là. On n'est pas hors les Écritures. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, je donnais ma fille à cet homme pour femme. Et il a haï. Et voici, il lui impute des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle, disant, je n'ai point trouvé ta fille vierge. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vieille vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle sera qui? Elle sera qui? Elle ne pourra pas là tant qu'il vivra. Seigneur. J'aime la parole. Frère, ce que je prêche là, si j'avais des enfants ailleurs, non. Moi, quand ma femme est tombée enceinte, là, elle n'était pas encore chrétienne. Là. Avant de tomber enceinte, elle voulait divorcer. Si tu divorces, je suis chrétien, je ne peux pas prêcher contre le divorce. Non. Si tu divorces, j'ai plus de ministère, je vais prêcher quoi? Je vais prêcher les choses que je vis. Ce que je vis. Alléluia. Il ne pourra pas la répudier. Pourquoi? Eh bien, tu as déviergé une femme. Son sang coulé. Quand le sang coule comme ça, l'alliance est scellée. Maintenant, tu vas briser l'alliance comment? On ne peut pas violer, briser cette alliance-là. C'est impossible. Voilà le mariage. C'est pour cela que les femmes se mariaient vierges. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on a tout changé. Les gens se marient là. Elles ont déjà connu 80 000 hommes, 100 000 femmes, tout ça là. Et mes amis là, c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a des histoires à chaque fois. Là. Et autre chose. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 36, parce que vous allez me dire, oui, mais ça c'est la loi de Moïse. Ah non frère, c'est la loi du mariage là, ça change pas. Parce qu'on continue à se marier, vrai ou faux? Ben voilà. Maintenant vous allez me dire, mais frère, il faut châtier dans ce cas-là. Ben bien sûr, il faut châtier mes amis là. On châtie avec la parole, pas avec le fouet aujourd'hui. 1 Corinthiens 7. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont bousculées dans vous là. Regardez ce que Paul nous enseigne. Qui croit que Paul avait le Saint-Esprit? Voilà. Un Corinthiens 7, verset 39, Paul dit quoi? Et verset 36. Mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de dépasser la fleur de l'âge, qu'il faille la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Waouh! Il n'a pas dit qu'il fasse ce que le maire veut. Ce qu'il veut. Amen. Il ne pêche pas qu'elle soit mariée, mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais étant le maître de sa propre volonté, et qui décide en son cœur de garder sa fille, fait bien. Celui donc qui la marie fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Qui croit que cette parole est la vérité? Qui croit que c'est pas moi qui l'ai écrit? Est-ce qu'on a dit ici que c'est le maire qui confirme le mariage là, qui c'est ce que t'écris là? Voilà. Oh Seigneur. Donc chez les Hébreux, ce sont les parents qui
avait la responsabilité, dans la Bible, je veux dire, selon les Écritures, parce que ça n'a pas changé. C'est à l'homme, l'homme, le chef, c'est à la femme qui est censée enseigner aussi ses enfants. C'est aux parents que Dieu a donné la charge, l'autorité, la responsabilité, le devoir de marier leurs enfants. On dit ici, le père va voir les anciens à l'entrée de la ville. Vrai ou faux? Mais il va voir les anciens à quel moment? Avant le mariage, pour que les anciens bénissent, ou après? Après. On est d'accord, hein? Ah bah oui. Ah bah oui. Le couple est allé voir les anciens, là. Avant l'acte sexuel ou après? Bah oui. Donc, si on veut se référer à cette parole-là, il fallait aussi amener les draps blancs à la mairie, là, pour que le maire confirme. Il y a encore les anciens ici, ils étaient des croyants. Hein. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Frère, vous voulez qu'on débatte la parole, là, on va parler. Alléluia! Donc, vous avez compris que le mariage, selon Dieu, c'est quand il y a l'acte sexuel. Vous êtes dans une assemblée. Un homme et une femme, chrétiens, tous les deux, servent le Seigneur. Tout ça, ils tombent ensemble. Ils tombent ensemble, eh ben ils vont se marier. Il faut qu'ils aillent ensemble, ils vont se marier. On va venir nous dire, non, mais en fait, ils se sont repentis, mais maintenant chacun veut faire sa chose. Oh non, quel chemin là? Vous avez vu ça où? Nous ne sommes pas dans un magasin où on dit que c'est la nourriture à volonté, vous payez 10 euros, vous mangez n'importe quoi là-dedans. Là. Non. Vous allez dans un magasin, vous ouvrez une boîte de sardines, vous la mangez et vous la prenez pour vous. Parce que quel est le client qui va passer par derrière vous pour prendre la boîte là? Il y a deux ou trois sardines qui manquent. On acclame le Seigneur. Alléluia! Dis à ton voisin la parole! Dis à ton voisin la parole! Moi, j'aime être pragmatique. Je ne suis pas un théologien. Je prends les exemples terre à terre. Voilà. Je ne suis pas un philosophe. Vous comprenez ce que Dieu veut que vous compreniez là? Frère, je veux me répéter encore. Je crois que beaucoup de gens vont fuir vos assemblées. Là. C'est pour cela que Dieu m'a dit, quitte les assemblées, sois seul, crie. Parce que sinon, ils vont tous te tuer. Tellement que tu cries. Un frère et une sœur sont dans une assemblée. Ils sont chrétiens. Ils prient. Oh, gloire à Dieu. Ils tombent dans le sexe. Ils tombent ensemble. Ils viennent nous voir. Oh, on est tombés ensemble, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Qui vous a dit d'aller ensemble? Vous voyez comment nous avons validé l'impudicité dans nos assemblées. C'est pour ça que nous avons des hommes qui sont comme des goûteurs. Ils goûtent aux femmes. Bon, je prends cette femme, je goûte, ben, ça ne me plaît pas. Je trouve qu'elle n'a pas une bonne poitrine. Donc, je trouve qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Je change maintenant, parce que je veux demander pardon. Le sang de Jésus-Christ va me purifier et je veux changer de femme. Dans la même assemblée, frère, c'est le désordre. Tu couches avec une femme dans une assemblée, eh ben, tu vas tout faire pour pouvoir la prendre avec toi. Tu l'engrosses, elle tombe enceinte, elle fait un enfant, tu prends cette femme avec l'enfant. Tu vas pas prendre encore Marie-Thérèse à côté pour laisser Joséphine avec sa fille ou son enfant seule dans un coin, dans une même assemblée. Vous voyez le désordre? Moi, je vous dis, lapidez-moi, vous voulez, faites ce que vous voulez, je crie. Je me répète, vous êtes dans un magasin, dans une grande surface, vous trouvez une boîte de sardines, elle est pas mal cette boîte-là, elle est bien fermée, tout ça. Là. Vous ouvrez là-dedans, là, alors que vous n'êtes pas passé par la caisse, vous ouvrez, vous mangez une sardine, deux sardines, tout ça. Et puis vous dites, bon, c'est bon, j'ai goûté, mais ça me plaît pas, parce qu'il y a trop de piment, tout ça, là, je laisse. Non, la caméra, là, t'as vu. Dieu t'a vu. Alléluia! Alléluia! Tu veux sortir du magasin, on a le film est là. Quel client va passer derrière toi pour prendre cette boîte-là? Moi, non. Alléluia. Dis à ton voisin, tu payes. Tu payes. Tu prends la boîte. Tu pars avec. Tant que tu vivras, tu garderas cette boîte-là. Elle est à toi. Jusqu'à ta mort. Et au nom de Jésus. Alléluia.
Maintenant, tu as pris la boîte. Tu passes par la caisse. Par la caisse, c'est respecter l'ordre que tu as établi avant de pouvoir consommer. Mais toi, tu as fait l'inverse. Donc, c'est la fornication. Mais la boîte, elle est quand même à toi. Tu es un voleur, mais la boîte, elle est aussi à toi en même temps. Alléluia. Tu es fornicateur, mais ta boîte, là, ta femme, là, tu la prends. L'homme, là, ta boîte, là, tu le prends, cet homme-là aussi. Là. Vous passez par la caisse, il y a Dieu. Il faut respecter l'ordre, la parole. La parole, c'est la caisse. On dit, bon, voilà, on va calculer combien vous allez devoir payer. On va voir dans Matthieu, qu'est-ce que Matthieu dit? Qu'est-ce que Jacques dit? Le prix à payer, c'est quoi? On dit, il faut que les parents soient honorés, pas la dot, bien sûr. Bon, ben, okay, vous allez voir papa et maman. Papa et maman, on est tombé et on s'aime. Parce que pour tomber, là, il faut, on n'est pas des prostituées pour aller payer. Et puis, non, non, on est tombé parce qu'on s'aime, parce qu'on s'aime. Ben, voilà, donc la femme, la papa, je veux l'épouser. Tu demandes la main de la fille à ses parents et les parents donnent l'accord, tout ça, là, ok, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, il y a la notion des noces. Bien sûr, il faut réjouir la famille. Même s'il y a 10 personnes, tout ça, là, parce que présentement, nous sommes fiancés. Et on attend les noces. Vous voyez, non? Donc, on attend les noces, vous organisez pour que les noces. Et puis, le jour des noces, là, comme on est en France, et que nous voulons aussi respecter les lois françaises qui ne sont pas contraires forcément à la parole de Dieu. Donc, vous allez à la mairie parce que vous avez des papiers, vous êtes français, vous allez à la mairie le même jour. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Vous voyez? Juste pour dire, alors, comme dans Luc chapitre 2, quand Marie et Joseph sont allés à Bethléem pour, n'est-ce pas, s'inscrire devant l'autorité romaine. Voilà. Étant mari, femme, étant une famille. Donc, vous allez simplement faire une déclaration. Juste, c'est juste une formalité. Voilà, nous sommes ensemble, tout ça. Nous nous aimons et puis nous voulons vivre ensemble, tout ça, habiter ensemble. Ok, c'est bon. Le maire va juste valider. Donc, c'est bon. Parce que quand vous allez remplir vos documents administratifs, on va vous demander, êtes-vous marié? Vous allez dire quoi? Voilà. Oui, mais bon, si vous n'êtes pas passé devant le maire, on ne vous reconnaît pas. Donc, comme ce n'est pas une loi contraignante, tout ça, là, contraire forcément à la parole du Seigneur, bah, allez-y. Pas de problème. C'est juste une formalité, un enregistrement. Et puis, comme Marie et Joseph. Et la femme, là, tu la prends. L'homme, là, tu le prends. Moi, je vous dis de la part du Seigneur, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vous soumettre à la parole du Seigneur, c'est votre problème. C'est l'enfer qui vous guette. Ne me dites pas, frère, vous êtes chrétien, vous êtes tombé ensemble, vous avez une femme. Prenez cette femme-là, c'est votre femme. Cet enfant, c'est votre enfant. Organisé, restauré. Si vous faites le contraire, là, c'est votre problème. Quand le Seigneur reviendra, vous allez brûler éternellement. Et vous ne pouvez pas dire que le Seigneur n'a pas tout fait pour vous rattraper. Quand vous comprenez que le mariage, là, c'est les rapports sexuels, là, on ne va plus se permettre de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Parce qu'on a compris que c'est la mairie, donc du coup, les gens font n'importe quoi. Donc, du coup, les gens, ils ont des couples, des femmes, des maris, des enfants ici et là. Tout ça, ils disent non, c'est pas grave, on n'était pas convertis, on n'était pas chrétiens, tout ça. Ou on est tombé, on a demandé pardon, et la femme avec qui tu es tombé, l'homme avec qui tu es tombé, les enfants qui sont là, c'est comment? Vous allez dire que vous êtes chrétien? L'homme, l'enfant va dire, papa, t'es chrétien là? T'as pas tout fait pour restaurer les choses? Oui, mais maman ne voulait pas, oui, mais t'aurais dû attendre, parce que ta femme. Parce que l'amour est patient. Tu aurais dû patienter. Parce que quand t'es parti, t'enfermes dans cette chambre là avec maman là, tout ça là. Pour m'avoir là. Hein? T'as pas réfléchi à tout ça là? Il fallait attendre. On joue avec Dieu. Moi, je suis pas là pour être vos copains, vos potes, tout ça là. Moi, je suis pas là pour prendre votre argent. Pour être... C'est pour ça que j'ai toujours tous ces combats là. Les gens se révoltent, se rebellent, tout ça. C'est un gourou, secte, gourou, tout ce que vous voulez, tout ça là. Voilà, c'est pas mon problème. Mais je vous dirai la vérité. Je dis bien ce que je prêche, je le vis. Quand mon épouse a voulu te divorcer, je lui dis, tu ne divorces pas, je suis pas d'accord. Elle voulait dire non, je peux. Elle faisait sa vie, je refuse. Et vous voulez maintenant m'imposer vos vies, la salle, là, tout ça, là, non, c'est pas grave. On a essayé de faire des choses, mais maintenant, la personne n'a pas voulu. C'est votre problème avec le Seigneur. La parole est claire. Cette femme-là, tu as couché avec, tu la prends. Cette femme-là, tu as couché avec, étant chrétien, tu connaissais la parole du Seigneur, tu connais la parole, ton esprit connaît la parole, tu la prends. Tu te convertis. Oh non, j'étais païen, tout ça, là, oui, tu étais païen, ok, d'accord, mais tu t'es converti, non? La femme-là, elle n'est pas convertie, toi, mais garde-la. Ah oui? Qui va élever ton enfant? Ta fille? Ton fils? Donc du coup, les gens disent, oh non, mais vous savez, tout ça, là, on n'était pas mariés. Mais je pose la question, là. Parce que pour moi, c'est dans ma tête, quand les gens disaient ça, bon, il n'était pas à la mairie, c'est normal, tout ça. Mais Dieu m'a dit un jour, quand j'étais aux Antilles, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, regarde, la mairie, là, c'est quoi, là? C'est ça le mariage pour vous? Le maire, là, c'est dans la Bible? La mairie, c'est écrit dans la Bible? Frère, c'est chaud. Je vous dis, hein,
Les gens meurent, ils sont en enfer. Seigneur, j'étais chrétien, non, quel chrétien? Moi, j'ai respecté la famille. Oui, mais Seigneur, quoi? C'est écrit quoi? Tu couches avec une femme? Ah ben, tu la prends. C'est pour cela que, avant d'avoir des rapports intimes, là, même quand ça chauffe, quand vous avez des attaques, si vous n'êtes pas encore marié, il faut réfléchir. Si vous n'avez pas, il faut réfléchir parce que c'est celui avec qui vous allez aller sexuellement, ma sœur, vous allez devoir rester avec. Mon frère, la femme avec qui tu vas aller sexuellement, là, tu vas devoir rester avec. On va dans une église, ça couche ensemble, ça tombe dans l'impurité, et puis après ça change, tout ça là. On dit, mais attends, mais c'est quoi là? Et ça continue à prêcher, ça continue à jouer dans les chorales. Et mais voilà le bazar que nous avons dans nos assemblées, un bazar total. Et c'est pour cela que Dieu n'est plus dans les assemblées. C'est à cause de ça. Parce que les dégâts que vous causez aux femmes avec qui vous avez des enfants là, les dégâts que les femmes ont causés chez les hommes avec qui vous ont engrossé tout ça là, et ces dégâts, les enfants sont abîmés, vos enfants sont détruits. Vous ne vous rendez pas compte? Vous pensez que Dieu va rester les bras croisés? Vous avez des choses à régler là, ça va être chaud. Vous vous dites non, on n'était pas devant le maire. Ah bon? Dieu dit ah bon? Ah bon? Et moi je suis pas là? Je ne suis pas témoin. Regardez bien ce que Dieu dit dans Malachie 2. Malachie chapitre 2. Je lis à partir du verset 12. Yahweh retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, et il retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à Yahweh des armées. Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de Yahweh de larmes, de plaintes et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que Yahweh est intervenu comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Vous vous rendez compte? La femme de ton alliance ou la femme qui t'a été donnée. Vous vous rendez compte? Dieu est intervenu comme témoin. Donc, ça veut dire que quand l'homme et la femme couchent ensemble pour la première fois, là, avant de passer devant le maire, Dieu est là comme témoin. Pour assister à, n'est-ce pas, à la conclusion de cette alliance-là. C'est terrible. Et il dit plus loin, je hais la répudiation. C'est un mot fort. Quand Joseph a voulu répudier Marie, ils étaient fiancés. Hein. Dieu a dit quoi? Ne le fais pas, ne répudie pas ta femme. Il a appelé sa femme. Vous vous rendez compte? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils étaient passés devant l'autorité romaine pour s'inscrire? C'est après qu'ils l'ont fait. Mais Dieu dit, il ne faut pas la répudier, c'est ta femme. Parce qu'elle était toujours vierge. Il dit, c'est ta femme. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, vous dites, non, il faut, c'est la mairie. Une fois que vous êtes passé à la mairie, on ne peut plus divorcer. Mais attends, mais vous avez déjà divorcé? C'est pour cela que quand le Seigneur va nous enlever, très peu vont partir. Très peu. Les gens pensent que parce qu'ils vont m'approcher, moi, ceux qui sont avec nous, qu'ils vont être validés par le Seigneur. Ils pensent que parce qu'ils vont me parler correctement sur leurs affaires, vous savez, pour m'expliquer leur situation, que je vais comprendre. Moi, c'est moi-même si je comprends, mais Dieu, sa parole est claire. Il est témoin, le Seigneur. Il sait. Je me suis battu pour récupérer ma femme. Vous devez faire la même chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à la mairie, c'est pas ce que je dis. Je dis bien que vous devez comprendre en tant que chrétien,
On doit comprendre d'abord la vision du Seigneur sur le mariage. Comment Dieu voit le mariage, la famille. À la mairie, c'est arrivé, comme je vous ai dit, je me répète, hein, c'est arrivé des années après, en 1792. Il y a 225 ans seulement là. C'est ça, non? Voilà. Même plus, non? 200, il y a combien? Hein? 255 ans. Hein? Enfin, faites-moi le calcul vite fait, là, s'il vous plaît. 2017 moins 1792. 225, voilà. Il y a 225 ans. Parce qu'on nous a imposé cette loi. Et vous dites, voilà, ben on n'est pas passé devant cette autorité, eh ben, on n'était pas mariés, en fait. Mais oui, mais vous avez des enfants. Non, on n'était pas mariés. Donc, on peut se séparer, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est seulement une fois qu'on est passé devant cette autorité, hein, le maire, qu'on peut plus se séparer. Mais qui vous a dit ça? C'est une fois que tu as couché avec la fille ou l'homme. Nous sommes censés être soumis à la loi universelle, c'est-à-dire la loi de Dieu. Parce que si vous allez au Canada, ce sont les pasteurs qui, un pasteur qui vous marie, il vous donne un certificat de mariage, vous allez à la mairie, enfin chez l'autorité, à l'État, on valide votre mariage. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc voyez bien que c'est pas partout pareil. À Brazzaville, vous vous mariez à la famille. Si vous allez à la mairie et que vous n'êtes pas marié à la famille, le maire vous demande, n'est-ce pas, un papier des parents qui valide votre mariage. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pour cela que à la mairie, c'est pas, on va pas dire le mariage à la mairie, c'est juste un enregistrement, hein, officiel pour se signaler, tout simplement. Parce que le mariage, c'est celui qui bénit le mariage, c'est lui qui donne la fille, sa fille, ses enfants, les enfants en mariage, ce sont les parents. Et celui qui est l'instigateur du mariage, c'est Dieu. C'est lui qui produit les sentiments en nous. On est d'accord? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que les rapports intimes, c'est quoi? C'est le paroxysme de l'amour que l'homme a pour la femme. Et s'il n'y a pas cet amour-là, c'est n'importe quoi. C'est le péché aussi. C'est l'amour. Donc on ne va pas avoir des rapports, à moins que l'on soit un prostitué, une prostituée. C'est par amour qu'on va passer à cet acte-là. C'est la concrétisation de l'amour. C'est ça le mariage. Et aujourd'hui, les gens vont coucher alors qu'ils ne s'aiment pas. Ils vont faire. Ils vont quand même. Même s'ils se couchent, ils couchent ensemble, ils sont quand même mariés. Même s'il n'y a pas l'amour, ils sont mariés. Ouais, mais je ne l'aime pas. Mais pourquoi tu as couché avec? Je la prends. Ah oui? Parce qu'on a dénaturé la chose. Ça va être chaud. Quand Dieu m'a enseigné, ça dit Seigneur, c'est chaud. Vous pensez que devant le Seigneur, vous allez dire, Seigneur, ouais, si je quittais cette femme, c'est parce que je n'étais pas passé devant le maire, on n'était pas marié. Le Seigneur va dire, oui, mais appelle-moi le maire. Appelle-moi ton maire, là. Le maire de ta ville. Et le maire va arriver, oui, mais effectivement, tout ça, là, mais c'est écrit où? Ouais, mais on a fait ça il y a 225 ans, oui, mais moi, ma parole, j'ai écrit cette parole sur une période de 1500 ans. Et Jude, au premier siècle, a dit que la loi, n'est-ce pas, de Dieu, la foi a été transmise une fois pour toutes au saint. On a bien dit, non, que celui que personne ne rajoute ni ne retranche. C'est écrit ou pas? Alors, pourquoi nous on fait l'inverse? Vous vous rendez compte? On néglige tellement nos parents aussi que, ben, on dit, non, c'est pas grave, c'est mon père, même si c'est le maire qui compte, c'est pas mon père ou ma mère. Vous vous rendez compte? Qui t'a engendré? C'est le maire? Lui, il vient en tant qu'officier de l'état civil, il va juste constater. Il fait juste un constat. Ouais, j'ai eu deux personnes, hein, hommes et femmes, qui sont présentées devant moi tel jour, tout ça, pour m'annoncer qu'ils s'aiment, l'homme et la femme. Qu'ils sont une famille. Voilà. C'est tout. Parce que la même autorité dit, tu peux aussi défaire ton mariage en un mois. Vous voyez, non? La même autorité dit que deux personnes de même sexe peuvent se marier. La même autorité dit aussi, il y a le Pax. La même autorité aussi te dit, même si vous n'êtes pas passé devant moi, vous pouvez avoir des rapports sexuels, mais à l'âge de 12 ans, il n'y a pas de problème.
Si vous tombez même enceinte, on peut vous donner, vous êtes couvert socialement pour vous encourager à pratiquer l'IVG. Mais l'autorité de Dieu dit, ah, pas de rapports intimes tant que les choses ne sont pas faites correctement. Voilà l'autorité à laquelle, la loi à laquelle nous sommes soumis premièrement.